J'ai pensé à une situation qui me fascine un peu. Au départ, réfléchir à la situation d'une femme médecin. Et vous savez, les médecins, on leur donne beaucoup de pouvoir, de connaissances. On pense qu'ils peuvent guérir les gens. Mais qu'est-ce qui se passerait si un médecin se retrouverait confronté à un patient qui le paralyse, qui lui fait perdre ses pouvoirs de guérison? Et c'est comme ça que j'ai créé le personnage de Claire, qui est médecin dans un hôpital parisien. Et un jour, elle se retrouve face à un patient qui, en fait, a été son amant 15 ans plus tôt et qui vient même pas lui demander de l'aide, qui vient là avec une maladie très grave dont il a peu de chances de se remettre pour avoir le réconfort de sa présence, peut-être une explication. Mais en tout cas, elle, dès qu'elle le voit, elle entre dans une phase de souvenir et peut-être aussi de presque de maladie, comme cet homme Dominique qui est devant elle. À partir du moment où Claire retrouve Dominique, elle se retrouve. Moi, je me demande toujours comment commence la voix d'un roman, à qui elle s'adresse. Là, Claire, elle se met peut-être à parler, peut-être à écrire. On ne sait pas à qui, mais elle se souvient des circonstances de sa rencontre avec Dominique, qui sont un stage de théâtre dans un petit théâtre associatif à Marseille. Et là, Dominique, 15 ans plus tôt, il dirigeait ce théâtre et ils faisaient ensemble, ils encadraient un petit groupe d'enfants, une vingtaine d'enfants. Ils ont monté La Tempête avec ces enfants. La Tempête, on pense que c'est la dernière pièce de Shakespeare. Alors pourquoi aller chercher la pièce d'un vieux dramaturge, un dramaturge presque mort, presque à la retraite, pour le faire jouer par une petite troupe d'enfants de 10 ans? C'est un montage un peu bizarre. Mais La Tempête, elle a aussi la grâce de l'enfance de l'art, la poésie de quelqu'un qui est très léger dans son écriture, qui a une grande grâce, une grande habitude, hein, vraiment au sommet de son art. Et je voulais que cette adaptation de la pièce par des enfants de 10 ans guide l'écriture. Et en même temps, rapidement, dans le remuement de ces enfants, dans leur joie, il y a quelque chose, une ombre. Dans la troupe des enfants, il y a une ombre. Il y a une petite fille qui ne va pas bien. On ne sait pas trop, est-ce qu'elle a du mal à se faire des amis, qu'est-ce qui la tourmente? Et puis petit à petit, il y a un drame qui se noue, qu'on a du mal à vouloir regarder en face au début, mais peu à peu, les personnages vont devoir prendre en charge cette petite fille. Je ne sais pas si on peut parler de roman social. Ce qui m'intéressait dans cette situation, c'est que la maltraitance des enfants, c'est quelque chose, enfin c'est comme d'ailleurs c'est comme la violence conjugale, enfin c'est quelque chose qui peut traverser les pays, qui traverse les catégories sociales. Donc l'affectation sociologique, elle est pour moi questionnable. Ce qui m'intéressait, c'était de traiter la violence dans sa forme élémentaire, dans une toute petite collectivité. Dans mes romans précédents, j'ai traité de violence collective, politique. Le problème, la crise humanitaire des migrants, les émeutes en Seine-Saint-Denis en 2005. Là, je traite une violence qui a lieu dans un petit groupe, au sein de la famille. Et c'est cette forme élémentaire de la violence qui m'intéressait d'observer. Il y a toujours une lecture qui accompagne chacun de mes romans, qui en est une sorte de compagnon silencieux. Et dans ce roman, La Tempête jouait ce rôle. La Tempête nourrissait l'imaginaire, l'incarnation des enfants. Je fournissais l'imaginaire du roman d'aventure en même temps que de la mélancolie. C'est un roman qui est comme si on arrivait sur une plage et qu'on disait qu'on allait improviser un spectacle. Et c'est cette joie qui est charriée par cette pièce de théâtre en même temps que l'idée d'un magicien qui renonce à la magie. Qui vient éclairer les silhouettes des enfants et le roman que j'ai voulu écrire.